suis partie de tout en bas, là où c'est ouvert. Au-delà, parce que c'était Saint-Geniez. Je suis montée jusqu'en bas dans cette forêt en longeant une rivière. Et après, j'ai monté tout bien 600 mètres de dénivelé sur 3 km. Là maintenant, je suis sur la crête. Je suis montée vers le Monge. Qui continue comme ça et le Monge doit être la pique. Ça doit être celui-là. Moi ce soir je vais sûrement bivouaquer par là. Tout le vallon est magnifique. Magnifique. Je ne l'ai pas vu, il était juste là, l'aigle. Il ne l'a pas vu non plus. Oh, des orties.
je suis la trace du mouton. Je pense que le col il est là. Je vois le panneau du col. Loin, c'est le mont Mange. J'ai fait tout le retour. Je suis redescendue au col de Clapousse et j'ai dormi en dessous de la bergerie de Clapousse. Et là, ce matin, je suis montée et ça monte comme là. Un peu rude. Et donc, là, maintenant, je continue. Je suis sur le chemin de crête. Très joli. De l'autre côté, c'est les forêts de Mange. Il y a le lac de Mange. Et là, je m'apprête à monter là-haut. J'ai oublié le nom. Je suis pas trop contente. Je croyais avoir que deux grosses montées, j'en ai trois. Là, je pensais pouvoir passer à travers, là, mais c'est trop dangereux. Donc, je suis obligée de monter là-haut, redescendre tout le long et remonter de l'autre côté. Là, c'est rude, là.
baguette, un tuyau.